Bon, mille bonjour les amis, ici Yanis Gaming et nous nous retrouvons sur le secret de Poudlard. Comme vous pouvez le voir, mon personnage ne ressemble pas à celui d'avant. Car je vous explique 3 secondes avant que nous commençons le jeu. J'ai dû recommencer le jeu à cause d'un bug, d'un sacré bug qui m'a fait chier, il faut le dire, désolé du mot, mais qui m'a fait chier et vraiment chier. Donc nous allons partir sur ce nouveau jeu qui est le secret de Poudlard et nous allons continuer le jeu avec ces deux personnages. Donc voilà, donc Rowan. Beau travail, Garbel. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguette. Et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. C'est ce que je crois. Vous, moi. Donc, le cours de potion est le prochain. Je sens que ça ne va pas être de la tarte avec Rogue. Oui, comme vous pouvez le voir, il faut qu'on refasse ben ça avec Rogue. J'en suis vraiment désolé pour ceux qui ne veulent pas regarder cet épisode, ne le regardez pas. Donc, attendez. C'est ici qu'on trouve, donc on va cliquer. Oui, les germes, tout ça, oui. On va fermer tout ça. Donc, vous pouvez le voir, j'ai 1944 énergie, comme on peut dire. Voilà. Ne demandez pas où je les ai eus. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Si toutefois, à ma foi, c'est toujours possible de les avoir. Tiens, ce ne serait pas Rowan? Dis-le, non. Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. C'est impossible. J'ai fait plein de listes de sorciers les plus puissants de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chouraf, Madame Pipine, Madame Poufrex, les septième année. Tu es juste une première année comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Allez, on va les tenir tête. Vous remportez tellement d'attributs. Il existe 3 attributs. Le courage, l'empathie et le savoir. Je mets le courage. Ne t'approche pas de lui. T'es qui toi, juste? C'est Gabriel qui devrait prétendre être le meilleur sorcier. Fedli a dit qu'il lançait le meilleur lumos de tous les premières années. Gabriel, hein? Mais oui, je sais qui tu es. Tu es Gabriel Forest. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Rien que ça, les amis. Tu es à ta place chez Gryffondor. Et toi? Tu es qui? Merula Vépérine, une serpentarde première année, la meilleure sorcière à Poudlard, c'est ce qu'on verra. J'ai entendu le professeur chuchoter à son sujet au banquet. J'imagine que tu crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. Anarchie, tiens. Le niveau de 28 détermine vos amitiés, vos rivalités et vos succès à Poudlard. Tu as juste peur que je sois plus puissant que toi. On va savoir tout de suite qui est le plus puissant. Oh, professeur Rogue. Flores, je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue. Merula s'en prenait à mon ami professeur. Allez en cours de potion et si vous m'avouez que je ne vous renvoie pas en retenue. Non, envoie en retenue, désolé. Merci de m'avoir défendu, Gabriel. Je n'avais jamais été très fort ni très doué pour me faire des amis. Je suis content qu'on soit tous les deux chez Gryffondor. Tu as entendu ce qu'a dit Merula? Pourquoi est-ce que le professeur parlait de moi? Je ne sais pas. Mais on fait au mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Donc les amis, nous allons en salle de potion et remettre contre les furoncles. Croyez-moi si je vous dis que cette fille, c'est une peste. Donc alors, il faut cliquer sur professeur Rogue. Ceci est votre première courte potion, et avoir cette terre perplexe dans vos yeux, ce pourrait être très bien le dernier. Contrairement à vos autres cours ici, on n'agite pas de paquettes de manière ridicule, en écorchant bêtement les incantations. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Il grommelle comme Mr. Bean, c'est vrai. Affûtez vos sens, libérez vos esprits, et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Oui. Merula, tu crois si spécial, Flores, mais tu es déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Ignore-le, Gabriel. Après avoir été réprimandé par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. On va essayer, les amis. Ça va être dur. Alors, on commence. Commençons, les amis. Alors. La leçon commence. Pour commencer à concocter une remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Qu'est-ce qu'on doit faire, les amis, déjà?
Oui, regardez Rogue, on va voir ce qu'il faut faire. Alors, il faut lever ces deux potions, les retourner, les verser. D'accord. D'ailleurs, faut mettre ce qu'il a mis dedans. Faut remettre. Ah non, non. Donc il faut que je clique sur ça, j'avais pas vu. Étudier les mouvements. Vous avez pas fait gaffe, les amis. Je vois, il faut que je remue dans ce sens. Et nous allons regarder. Trois fois. Gardons un peu d'or, ça c'est bien. Ceci est votre récompense. Ah bon, on va prendre de l'or, messieurs dames. Ne me faites pas répéter, concentrez-vous. Je me concentre, monsieur. Touchez quand les cercles sont de la même taille. Super, bah c'est cool, les amis. Il n'est pas content, le rogue, on a réussi. Eh bien, on est trop fort. Niveau supérieur, savoir numéro 2. 10 points en plus. Bah, c'est bien ça, les amis. Nous les prenons. Se préparer à terminer et remettre contre le furoncle. Dépêchez-vous de finir votre potion. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. Alors, les amis, on va lire trois fois. Nous allons cliquer sur Rohan, on va discuter avec lui trois fois. On va cliquer sur fixer du regard elle trois fois. Et nous cliquons sur nous pour nettoyer. Voilà, étoile bonus, bah c'est cool. Et nous allons prendre. Voilà, cette fois on prend des rubis, les amis. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède contre les furoncles. Alors, se préparer à terminer. Donc, il faut que je fasse ce geste. Super, les amis. Nous avons réussi. Alors, notre ami est content à côté. 10 points en plus pour le savoir. C'est bien. Se préparer à terminer le remède contre les furoncles. Allez, fini. Nous avons fait des furoncles. Des remèdes contre les furoncles. Donc, je n'ai peut-être pas complètement incompétent après tout. Ça a marché, j'ai compté ma première potion. Félicitations, Gabriel. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends, que se passe-t-il? Tu as ajouté de la poudre de Bibonox? Sur mes études, ça ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre de Bibonox. Explosive? Toutes mes félicitations, tu as guéri la table de furoncle. Vous n'aurez jamais dû être ami dans ma classe, Forest. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins 10 points pour Gryffondor carrément. Qu'avez-vous à dire à votre défense? Ah, j'allais dire c'est votre faute à lui, mais non. Certains choix nécessitent un certain niveau d'attribut. Le choix troisième nécessite courage niveau 2, mais vous n'êtes qu'à courage niveau 1. Bon, allez. Gagnez des points d'attribut et augmentez votre niveau d'attribut en faisant des choix et en allant en cours. Non, mais elle m'a saboté. Je pense que Myria Vurpérine a mis quelque chose dans mon chaudron. Assumez la responsabilité de vos incompétences, Flores. J'aimerais bien, mais Myria nous a menacé, mon ami et moi, et elle a dit qu'elle s'assurerait que j'échoue au cours de potion. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis un sorcier plus puissant qu'elle. Est-ce vrai? C'est absolument faux, professeur. Flores est carrément aussi faux que son frère et tout. Aussi déterminé à tout gâcher à Poudlard. Votre famille a bien représenté ses bandards. Je vous surveillerai de près pour que vous fassiez de même. Tu as bien fait de lui parler de Myrula. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Flores. Tu aurais dû savoir qu'ajouter dans ton chaudron de la poudre de menace ferait exploser ta potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une honte, comme ton frère. Sortez, je vous ai déjà assez vu aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison de Gryffondor. Que se passera-t-il quand je retournerai à la salle commune de Gryffondor? Je ne sais pas, mais nous allons voir ça. Alors, chapitre 2, les ennuis commencent. Suite à votre rencontre avec la Serpentard, vous devez trouver un moyen de récupérer les points de maison que vous avez perdus. On va essayer, les amis. Donc, disons, on va aller voir dans la salle de Gryffondor nos amis Gryffondor. Tu es Gabriel. Oh, Ben. Tu es Gabriel Forest, pas vrai? Oui, et toi, qui es-tu? Ben Cooper, je suis un Gryffondor de première année comme toi, je voulais juste te remercier d'avoir tenu tête à Myrula.
Quitte à parler de ça, je vous regardais de l'autre bout du couloir. Je la suis pour qu'elle ne puisse pas me surprendre. Et si elle me voit, ça me donne au moins une chance de m'enfuir. Elle n'a pas arrêté de marteler dans le Poudlard Express. Elle m'a menacé et m'a traité de sang de bouc. Je suis désolé, Ben, c'est horrible. Merula veut devenir la meilleure sorcière de première année et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le prouver. Je suis content de voir quelqu'un lui tenir tête, mais je ne pourrai pas. On me l'a fait la même blague à Gryffondor. Tout le monde a peur de quelque chose, Ben. Sauf que moi, j'ai peur de tout. Je viens d'une famille de moldus. Alors tout ça est nouveau et effrayant pour moi. Je sais que tu ressens, je viens d'une famille de sorciers et c'est difficile pour moi aussi. Je ferai de mon mieux pour t'aider, Ben. Merci, Gabriel. À une prochaine. Les amis, nous allons l'aider. Mais déjà, allons à la salle commune voir Angelica. Alors, nous sommes à la salle commune, les amis, et nous allons cliquer ici pour voir Angelica. Angelica, tu as déjà fait perdre 10 points à Gryffondor. On est quatrième maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, les amis. Je sais que. Hop. Ah, c'est sur moi, fallait cliquer. Rang. Ici, vous pouvez suivre la compétition entre les quatre maisons. À la fin de l'année, la maison ayant obtenu le plus de points remporte la carte des quatre maisons. Voici Gryffondor, vous êtes en quatrième position. C'est qui les premiers? Ah ouais, c'est peut-être pour le souffle, je sais pas, mais. C'est qui eux? Faites voir. Déjà, on peut changer des coupes? Non, 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 mais on s'en fout en fait de ça. Ami en tout genre, on s'en fout. Allez, continuons l'histoire. Pardon, mais qui es-tu et pourquoi tu me parles de points? Votre maison. Je suis ton préfet, Angelica Cole. C'est le devoir d'un préfet de maintenir l'ordre dans la maison et d'aider les premières années qui ont des problèmes. Vu ce que t'as fait ton frère et la réputation de Gryffondor, j'aurais dû te garder à l'œil. Je ne suis pas mon frère. Je sais que mon frère a enfreint le règlement et terni la réputation de Gryffondor. Mais je veux faire honneur à notre maison. On fait tous des erreurs, Gryffondor. Mais on ne fait pas tous des erreurs qui coûtent 10 points à Gryffondor. Quoi qu'il en soit, je préfère que t'as déjà envoyé une lettre directement dans notre salle commune. Pourquoi il ne l'a pas envoyé? Probablement parce qu'il te méprise. Rogue déteste tout le monde, alors ne vont pas personnellement, mais il lit cette lettre au plus vite. Florey, j'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion a pu être trafiquée. Bien que cela ne prouve pas votre innocence, cela remet en cause ma conviction que vous êtes un Rapportez-moi un pot de limace marinée de la réserve du court potion et j'envisagerai de restituer vos points perdus, Rogue. Il y a des indications pour se rendre dans la réserve en bas de la page. Tu veux que je n'aie que toi, Gabriel? C'est la moindre des choses vu que tu m'as sauvé de mourir aussi. On va bien, tiens. Niveau supérieur, empathie, oui. Merci, Rowan. Tu connais les châteaux beaucoup mieux que moi. Il propose de restituer les 10 points que tu as perdus. Enfin, vite dans la réserve avant qu'il n'échange d'avis. Bon, bah, les amis, nous avons vu Angelica. Nous sommes allés dans la salle commune Gryffondor. Nous avons perdu les 10 points à cause de cette peste. Mais nous pouvons les récupérer si on ramasse des limaces. Et il faut aider Rogue à ramasser les limaces et à récupérer nos petits points, les 10 points qu'on a perdus. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc c'était Yanis Gaming. Prenez soin de vous, partagez, likez, mettez un pouce bleu si vous voulez une suite de ce jeu qui est, ma foi, très bien et très bien fait et très bien expliqué. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Yanis Gaming, car nous sommes la famille des Thors. Tchuuu.